Et là, on peut voir les mimosas. Donc là, on voit que les fleurs sont prêtes à éclore, alors que d'habitude, le bouton est quasiment fermé et on voit à peine la couleur. Même, on peut en voir déjà qui sont quasiment éclos en haut. Des plantes qui se croient au printemps et qui bourgeonnent, comme en plein mois de mars. Depuis le début de l'année, il faut dire que l'hiver est particulièrement doux et les températures, souvent au-dessus des normales de saison. Résultat, les fleurs commencent à pousser et les jardins à verdir. Une situation qu'il faut surveiller, surtout si d'un seul coup, le mercure dégringole. Malheureusement, le froid, s'il arrive tardivement, va soit stopper les pousses qui ont déjà commencé, soit faire mourir des plantes qui ne devraient plus être fleuries à cette période-là. Du coup, la nature n'y comprend plus rien. Même les jardiniers amateurs sont un peu perdus. On a un agave. Alors évidemment, on le rentre tous les hivers. On rentre dans le garage, ça on rentre. Parce que c'est dommage, cet hiver, on aurait pu ne pas le rentrer. Normalement, à cette période de l'année, le thermomètre doit frôler les 3 degrés à Paris. Il est actuellement plus proche des 5 degrés. Météo France annonce encore de beaux jours et de la douceur pour février. En revanche, rien n'exclut quelques gelées tardives pour le mois de mars.